Bonjour, ici François Desrosiers des ateliers Lauzon. C'est une situation qu'on a vue souvent. Une source de lumière, un réflecteur tenu par une assistante et des bons résultats. Mais on n'a pas toujours d'assistante. Souvent, on a à travailler seul et pour ça, bien, il y a d'autres solutions qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir une très belle qualité de lumière. Une des bonnes façons serait d'utiliser un light panel de Photoflex. Donc, un grand panneau 39 par 72 avec des tissus qu'on peut changer et aussi des pattes qui permettent de se tenir tout seul. Donc, de cette façon-là, je vais avoir une grande surface de lumière, de réflexion, que je vais être capable de mettre plus ou moins proche, dépendamment de ce que j'ai de besoin. Ou encore, je peux tout simplement demander à mon sujet de se rapprocher du réflecteur. Oui, c'est déjà beaucoup plus doux comme ça. Tu vas juste te tourner un petit peu plus droite face à moi. Et voilà. Donc, déjà comme ça, on a une belle source de lumière, un grand réflecteur. Ça se tient tout seul. Je suis capable de travailler tout seul. Ce qu'on va voir maintenant, c'est en plaçant notre lumière au-dessus de Geneviève, bien, d'autres façons d'utiliser des réflecteurs pour servir de source de lumière de remplissage. Vous voyez, ici, on a placé l'octodôme en haut dans un bel angle pour faire une lumière intéressante pour Geneviève. Par contre, on avait besoin de remplissage. C'est pour ça qu'on a utilisé notre light panel, qui tout à l'heure était sur le côté, comme lumière de remplissage. Et avec ça, je suis capable facilement d'ajuster. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne la liberté aussi à notre modèle. On peut se déplacer d'un bord ou l'autre. Et on a toujours notre grande source de remplissage. Et j'ai la possibilité, si je veux aussi, de pouvoir le changer, d'avoir un tissu blanc, argent ou quelque chose comme ça, et d'ajuster facilement ma hauteur. Tout ça en travaillant tout seul. Un des accessoires les plus intéressants à avoir lorsqu'on travaille seul, c'est le triflecteur de l'astolette. Ça nous permet d'ajuster nos contrastes de chaque côté et aussi par en bas. Donc, dépendamment comment notre lumière est placée, quel est l'angle de la lumière, est-ce que c'est le soleil, un softbox comme ici, bien, je peux facilement avoir un éclairage qui va être différent pour chaque personne. Donc, si vous avez à faire du casting, c'est vraiment un des outils les plus intéressants et les plus pratiques à traîner avec soi. Thank you.